Il y a 10 ans, jour pour jour, disparaissait l'actrice Valérie Benaghigui, emportée par un cancer du sein à l'âge de 47 ans. Star des films La vérité si je mens, Comme tu es belle ou encore Le prénom, qui lui a permis d'obtenir le César de la meilleure actrice dans un second rôle, quelques mois avant sa mort, elle a marqué de son empreinte le cinéma français. Sa mort soudaine a profondément ému le monde du 7e art, donnant lieu à des hommages plus émouvants les uns que les autres de la part de ses fans et de ses amis, notamment des grandes figures du show business comme Patrick Bruel. En rendant son dernier souffle, la comédienne a laissé derrière son mari, Eric Vapler, lui-même acteur et directeur de restaurant, qu'elle avait rencontré sur les bancs du cours Florent, ainsi que ses deux enfants. Valérie Benaghigui était effectivement la maman de César, son fils aîné, et d'Abraham, son cadet, tous les deux nés de ses amours avec Eric Vapler. Mais que sait-on d'eux ? César ayant évolué loin des projecteurs, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Abraham, en revanche, a choisi de suivre les pas de sa célèbre maman en devenant acteur à son tour. Photo, enterrement Valérie Benaghigui. L'un des fils de Valérie Benaghigui est acteur en effet, le jeune homme de 23 ans a étudié au cours Florent, comme ses parents, avant de terminer sa formation de comédien à l'Atelier Blanche en 2018. Depuis, il a fait quelques apparitions dans des courts-métrages et des films comme Radio Star, 2012, Interrail, 2018, le troisième volet d'OSS 117, 2021, ou encore Les Choses Humaines, 2021. Il s'est également fait remarquer sur le petit écran, en jouant notamment dans les séries Les Invisibles, France 2, ou Royce, France Télévisions / et, plus récemment, dans la première saison de Lycée Toulouse-Lautrec, une fiction diffusée en janvier dernier sur TF1 et qui met en scène les élèves handicapés et valides d'un établissement un peu spécial. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. Just need